Alors, à ce niveau, vous allez ajouter de l'eau, mais ce serait pas beaucoup, juste une petite quantité d'eau afin que justement le poisson puisse justement cuire à vapeur. Donc, vous allez toutefois rajouter de l'eau quand l'eau diminue. Alors, faites attention de ne pas trop ajouter de l'eau parce que l'intérêt, c'est que le poisson puisse cuire à vapeur. Il est très important et si vous le respectez, en tout cas, vous aurez des résultats très, très, très satisfaisants.